Tout va s'éclairer, tout va se simplifier, mais c'est vrai quand même que l'on sent une grande, grande fébrilité au sein de l'équipe du Japon, notamment, qui pouvait rêver un titre. Cela fait, je crois, 28 ans que le Japon n'avait pas obtenu le titre suprême. On peut toujours parler au présent, hein, parce qu'ils n'ont toujours pas obtenu le titre suprême. Allez, on passe au bar parallèle. Ouais, c'est avec le Biélorusse qui a bien débuté son mouvement, avec des doubles rotations donc, dans les barres. Ici un grand tour sur un bras, Eli, suivi d'une valse. Un élément que l'on appelle le Diamidov, grand tour sur un bras, Peters, bascule sur une barre, élément assez impressionnant. Mouvement d'équilibre, de grande maîtrise. Et la sortie en double salto arrière carpé, malheureusement. Léger déséquilibre.